Bienvenue au Grand Prix d'Autriche, ici à Spielberg. C'est jour de course et les voitures sont déjà sur la grille alors que les pilotes finalisent leur préparation et attendent l'extinction des feux. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. La piste est dégagée pour Sébastien Vettel qui part aujourd'hui en tête du peloton, accompagné de Raikkonen qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Bottas, Ricciardo, Max Verstappen et Perez, Hülkenberg, Ocon, Leclerc et Carlos Sainz, Magnussen, Alonso, Pierre Gasly et Grosjean, Ericsson, Stroll, Stoffel Vandoorne et Sergei Sirotkin, Hartley et pour finir, Lewis Hamilton en queue de peloton. Essaye de passer les vitesses plus tôt, ça devrait t'aider à en économiser. Tu es actuellement à la 13e place. Tu repars en plus de 20 tours. Qu'il est temps d'économiser un peu le carburant. Passe à un mélange plus pauvre et vas-y doucement sur l'accélérateur. Impeccable, très belle manœuvre. On a de l'énergie en rab. Passe en mode dépassement pour doubler. Active le mode dépassement. Bien, au travail.
Alteri est entré dans les stands. Il est dans les stands. A été autorisé, DRS disponible. Notre avance sur la voiture de derrière est de 8,7 secondes. Part du leader est de 15,4 secondes. Raikkonen devant. Notre retard sur la voiture de devant est de 5,2 secondes. Tu lui reprends une seconde 8 à chaque tour. Ils ont de nouvelles gommes super tendres. Ils chaussent des gommes usées depuis 3 tours. Je crois qu'il leur reste encore un arrêt. Dernier tour à donner. 1 minute 15,6, 4,8 secondes. Tu es à la cinquième place. Ricciardo devant. L'écart avec le pilote de devant est de 1,1 seconde. Ils ont de nouvelles gommes super tendres. Verstappen derrière. L'écart avec la voiture derrière nous est de 4,0 secondes. Ils ont de nouvelles gommes super tendres. Notre retard sur le leader est de 13,5 secondes. La fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans 15 tours. 48 tours restants. Tu es à la cinquième place. Cinquième. Ricciardo est devant toi. À moins d'une seconde. Il chausse des pneus super tendres usés. Verstappen est derrière toi. Notre avance sur la voiture de derrière est de 5,6 secondes. Il chausse des pneus super tendres usés. Notre retard sur la voiture de tête est de 13,3 secondes. Jolie manœuvre, bien joué. Activer le RS et consommer une partie de l'énergie récupérée.
aujourd'hui, Raikkonen et Bottas. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec Segor. Tirez parti de l'énergie générée. Augmente l'utilisation de l'ERS. Joli, à te voir, on croirait presque que c'est facile. Super boulot, tu viens de signer le meilleur temps. Cinquième, tu es à la cinquième place. Ricciardo devant. Notre retard sur la voiture de devant est de 3,7 secondes. Chose des pneus super tendres usés. Verstappen derrière. L'écart avec la voiture derrière nous est de 6,3 secondes. Chose des pneus super tendres usés. La distance qui nous sépare du leader est de 22,2 secondes. C'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. La voiture de devant est rentrée pour chausser des pneus ultra tendres. Voici l'écart avec notre coéquipier, 4,4 secondes. Au travail, tu l'as doublé dans les règles de l'art. La voiture de sécurité virtuelle a été déployée. Ralenti et garde un delta positif. Voiture de sécurité virtuelle déployée.
sein de la voiture de sécurité virtuelle. Garde ton delta positif jusqu'au drapeau vert. Drapeau vert. Quelques infos à propos de Stroll. On dirait que c'est sérieux, il faut sortir la voiture. Très belle performance de Mercedes, c'est une nouvelle victoire historique. D'après vous, Nicolas Martin, comment sont-ils parvenus à obtenir ce résultat? À mon avis, les qualités techniques des pilotes ont fait toute la différence. Combien y a-t-il eu de dépassements en tout? Nous devrions avoir cette information quelque part. Quoi qu'il en soit, on a assisté à un très beau spectacle. Même si ce sport a une dimension stratégique, il est toujours plaisant d'assister à des duels sur la piste. En tout cas, le public en raffole. Voici les pilotes qui montent sur le podium après cette course d'anthologie. Comme bien souvent, ils ont excellé et cette victoire est amplement méritée. Mercedes est à l'honneur aujourd'hui. D'après vous, Nicolas Martin, quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui? Je dirais Lewis Hamilton. Il a été rapide et incisif, tout ce qu'on peut attendre d'un des meilleurs pilotes au monde. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été au rendez-vous du premier virage. Au revoir et à très bientôt.